Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Payback, la suite du mode histoire. Alors comme vous pouvez voir, nous avons quelques nouveautés comme véhicule, et là nous sommes en train de modifier, enfin je suis en train de modifier une BMW que je viens d'acheter au concessionnaire de drift pour pouvoir faire tout simplement des drifts. Tranquillement, donc allons-y, c'est parti. Je peux pas changer. Ah merde, c'est con. Ah merde. Ah ok. Alors attends, ça comment on fait pour retirer cette pièce? Ah. Attendez. Parce que vous voyez là, c'est une nouvelle voiture que je suis en train de faire. Alors là, hop. Eh mais oui, retirez toutes les pièces pour qu'on puisse. En fait, on peut pas changer ou quoi? Attendez. Apparemment, non. Ah, c'est con. Ah, ben, en fait, je crois que je l'ai déjà en fait. Ok. Et là, ici. Ok. On modifie un peu la voiture, hein. Ça fait un peu plus beau. Donc là, nous faisons un peu tout ça. Nous avons pas mal de pièces encore à débloquer. Cette voiture-là sera juste pour les drifts. Donc en espérant que ça va aller. Ah. Ah oui, les pare-chocs. Les pare-chocs. Pare-chocs, ça m'intéresse. Celui-là. Voilà. Cette roue-ci. Ah ok, il met de l'autre côté aussi. Ok. Bon, personnellement, je préfère voilà. Hop. Ici. Voilà. Hop. Capot de coffre. Non, c'est moche. Voilà, les phares. Ouais, c'est mieux comme ça. Un aileron. Oui! Ah non, celui-là non. Ah non, non. Je pourrais faire lui à 2000 dollars. Hop, je sais pas comment on enlève. Ok, les portières, les rétros, du latéral. Ok. On va laisser comme ça le pare-brise. Peut-être le teint un petit peu. Ok, voilà, c'est des premiers réglages en fait. Putain, c'est nul. 69, j'adore ce chiffre. Je dirais pas pourquoi. Et puis, bah voilà, c'est fini. Bon, bah voilà. On va peut-être mettre un vinyle. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit vinyle, là sur le. Un petit vinyle, non, ici. Ouais, sur la portière. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Ajouter vinyle. Je vais mettre le G comme gaming. Là.
Juste là, comme ça. Tac. Confirmé. Ensuite, de l'autre côté. Bon, allez, on va copier en même temps. Hop, c'est bon. Retour. Ah bah, c'est merveilleux. On va aller la tester en drift. Sauvegarder les changements. Oui. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez vu, j'ai plusieurs véhicules. On va voir tout de suite les véhicules que j'ai achetés dans le gameplay que j'ai fait tout à l'heure, que je croyais mettre sur YouTube, mais en fait, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, on va voir les véhicules. Alors, on l'a tout pourri. Là, il y a même BMW que je vais me servir en drift. Ensuite, il y a celle-ci. Celle-là, l'Audi S5, que je vais changer par la suite également. La Subaru qui me sert pour faire du tout-terrain, que je vais changer également par la suite. D'ailleurs, on peut la revendre ou pas? Vendre voiture. Ah! Attendez. Ah, c'est la seule tout-terrain, donc il faudra que j'aille m'acheter une. Il y a celle-ci, il y a ma Mazda. Mazda. Que je vais peut-être revendre aussi. Emplacement de pave, hop. On se barre. Maman ma Nissan, je sais pas quoi. Et là, ma BMW. Que je voudrais voir voiture. Que je voudrais voir mes autres voitures. Mais bon. On quitte le garage avec celle-ci. Allez, on quitte le garage avec celle-ci. On va la tester. La mèche Chevrolet bleue. Vous avez pu apercevoir quand j'ai sauvegardé l'esthétique de celle-ci. On va la tester celle-là. On va aller faire l'émission aussi. C'est quoi si les épreuves ici? Tout terrain. Ouais, non, c'est tout terrain. Ici, c'est quoi? Eh ben, on y va! Allez, go! On va essayer de drifter en même temps. Wow, elle a l'air de bien aller pour le drift. Wow! Ça a l'air de passer nickel. Ah, par contre, là, c'est vrai. Arrête de bugger, par contre, parce que. Des petits lags, mais bon, ce n'est pas de ma faute. Dire que tout à l'heure, la vidéo a duré quand même plus de 1h15, 1h18, et je n'ai pas pu vous faire partager les courses que j'ai faites avec la nouvelle voiture que j'ai achetée ce matin. Je l'ai équipé un peu là comme j'étais là en live. J'ai un peu plus de pris un peu plus de temps. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. On va faire les drifts ensemble. Nous allons faire les drifts.
Bon, putain, elle va bien. Oh là là. Elle va très très bien. Elle va nickel. Nickel comme. Wow. Regardez-moi le saut que je vais vous faire. Que j'ai assez, oui. Pas de vitesse, ok. Quel beau coucher de soleil. Faut que je me trouve une course, et vite. Coca-Cola, putain de merde! Il reste avec celle-ci, ça va être nickel, je pense. Ça change que The Crew 2 en fait. En plus, le gameplay là, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Je me suis dit, tiens, un petit une chance plus de mal. Pourquoi pas? Je parie qu'il y a une pièce bien utile. Voyons ça. Allez, on verra ça plus tard, les. Ça nous a offert des drifts. On ne vit que pour les virages et la vitesse. On est toujours sur le fil du rasoir entre la vie et la mort. La Regardez là, vous avez là une belle vidéo. Je suis Aki Kimura. Roi du drift. Allez, moi je suis. Sean McAllister, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu veux me prendre ma couronne? Je te laisse ta couronne, Kimura. Par contre, je viens battre ton score. On pulvérise des records dans tout le pays. Tu penses vraiment pouvoir nous empêcher de conquérir les meilleurs coins de Fortune Valley? En plein dans le rêve américain, hein? Je vois. Mais à Fortune Valley, c'est moi qui bats les records. Il se vend presque pas, le frein. On va tester. Ce sprint s'appelle la boucle de la couleuvre. Voyons ce que tu peux faire. Admire le maître. Wow, je dois faire 78. Pas mal. Ma voix.
trouvé ton rythme, on dirait, Mac. Ouais, ouais. Oh, attends, attends, t'inquiète pas. Ah, on est air. Oh, moi qui a pas de temps. C'est quoi tes histoires de pilote tout terrain là? J'adore faire des nuages de poussière. Tu auras du mal à t'intégrer chez Noise Bomb. Maintiens ces trajectoires et tu battras peut-être notre score. Putain, c'est pas comme ça que je vais y arriver hein. Rock, c'est chez moi. Pour le meilleur et pour le pire. Je suis venu pour une seconde chance. La voici. Ouais. Bah ben moi j'attends toujours. Vas-y, dégueu. Dégueu, t'en vas y aller. Je pensais pas que tu pourrais passer le score de la boucle de la couleuvre. Apparemment, j'avais... Ah bah allez, allez, si. C'est pas pour rien, contre moi. Joli, joli. En fait, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, man. Et voilà pour le record de Noise Bomb. Bien joué. Elle prendra essayer les doigts dans le nez. Meilleur score de Fortune Valley. Bon, c'est pas grave, je perds de l'argent, mais c'est pas grave. Celle-là, je la sens bien. Nitro. Allez. Belle maîtrise de la boucle de la couleuvre. Eh ben, j'en ai fait qu'une bouchée de surcorps. Après, on va se faire le sprint du pont. Pour être sûr que c'était pas de la chance. Demandez comme ça. On y va, on y va. Oh putain, mais je ne sais pas combien de temps. Le mec qui a rien compris, c'est pas combien. Par contre, t'as vu les drifts que je te fais? Ça, c'est vraiment une voiture de drift, ça. Ah,
voilà. Je suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. Ah putain. Je l'avais pas vu lui. Ça va aller tout seul. On va essayer de faire le pari annexe. Appelle-moi plutôt Vincent Franco. Allez, c'est parti. Pas mal du tout. Aïe, c'est ma faute. Je tiens une de ces formes. Ouais, sauf que là, c'est un peu bloqué là. Rift avec 100% de succès. J'ai une de ces formes, les amis. Je vous raconte pas. On va prendre le gosse maintenant. Après, si on joue bien, on peut... Tu es bon? Ouais, c'est bon pour battre le roi. Personne ne bat le roi. Et sinon, ce mec-là, Ryan, c'est ça? C'était il y a des années. Personne l'a refait depuis. Alors laisse-moi une chance, Majesté. Bientôt, ok? D'abord, direction l'observatoire. Ah, l'observatoire, j'aime pas trop. Ah, c'est le plus dur.
C'est pas avec une BMW que je pourrais être là. Putain, j'ai une BMW dans les mains, putain, elle est trop bien. Ah, je l'ai laissé tout de suite pour faire des courses. Merde, c'était là. Recommandé 250. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, je... Bienvenue au célèbre run de l'astronome. Montre-nous ce que tu vaux. Oh, putain, c'est l'heure de frimer. 64 000. Continue, Mac. J'en ralentis quand même un peu, hein. C'est bon, j'ai battu le record. Après, je parie qu'il va falloir redescendre. J'espère que ça partira. Ça commence à être chaud quand même, hein. On se concentre à mort. Et voilà, épreuve de signe des doigts dans le nez. C'est moi le roi. Cette voiture là, elle est superbe. Je crois que je vais acheter la même pour l'épreuve avec le Jess. Elle est trop bien. J'essaie, je perds ma nitro, mais bon. Oula, encore. On va essayer de terminer l'épreuve. C'est bien d'être monté jusque là. C'est plus marrant dans tout ça. Tu dois redescendre. Ah ouais, bah tu vois. Désolé. Un peu plus dur, hein. Quand même avouer là que... Faut trouver le bon angle. Pas mal du tout. Putain, déjà. Oui, bien sûr que je peux le faire. Je suis chaud. Je vais faire un peu trop vite là.
bien être en train de battre un record, là. Inarrêtable jusqu'au bout. Oh, par contre, le pari, non, je n'ai pas réussi. J'ai fait... Wow. Pour 6 secondes. C'est pas grave. Tant pis. Elle va avoir une cinématique, non? Ah, tu vois. J'avoue, t'as assuré sur le run de l'astronome. T'as la cote. Sur les réseaux sociaux, surtout. Ah ouais? Cool. Ils ont fait le rapprochement avec ta prestation au Shift Club. T'es en train de devenir une légende du drift ici, on dirait. J'ai toujours été une légende. Fortune Valley a juste fini par la prendre aussi. Bref, t'as gagné le droit de t'attaquer à mon score. On se voit au Silver Canyon All-Star. C'est bon, t'as terminé? C'est que j'ai de la route, moi. Sauf que je trouve un peu les chauffeurs, ceux que tu pilotes, je les trouve un peu trop... Ils font un peu trop leur malin dans la cinématique. Hey Mac, ça se passe comment avec Noise Bomb? Super. Leur streaming bat tous les records de vues grâce à moi. On fait pas ça pour les vues, Mac. On le fait pour l'Outlaws Rush. Reste concentré. Tyler, mec. C'est pour ça que je suis venu en Amérique. Tu peux pas juste me laisser en profiter, hein? Ok, Mac. Regarde. La beauté des culs, superstar. Je te filerai mon autographe gratos. Ça va aller plus vite. Très bien, on va essayer de... Et on va essayer de monter là, la voiture. Alors, écoute-moi. Ouais, non, vas-y, c'est bon. Eh ben voilà, c'est bon. Ben voilà. Tout est ok. Aïe. Ouais. Je me demande ce que la Porsche... Ah oui, parce que j'ai acheté une Porsche aussi. Et parce que j'ai un peu avancé dans le jeu au niveau des courses. Alors, j'ai pas avancé, je n'ai pas avancé dans le... Moi, je sors du tout, mais j'ai avancé au niveau des courses. Ah.
voiture là, elle va vraiment nickel. Nickel quoi. Putain, eh. Si je débloque une autre BMW, franchement, je la sais. Bon, là, je me prends un peu tous les murs par contre. Pas très cool. C'est plutôt un dérapage que je viens de faire. Pas un drift. Putain. Arrête. Oh, c'est encore un ennemi, non. Tu crois t'approcher de mon score au Silver Canyon All-Star? C'est ce qu'on verra. 150 000. Tu peux dire au revoir à ta première place, tu feras des drifts. Mec, c'est génial. C'est beau ça, Mac. Oh, je suis en forme. Oh, allez. Et donc dis-moi, Aki, si je suis effectivement un artiste qui aime le tout-terrain. Arrête. Le tout-terrain, j'y touche pas. Allez, ça va être cool. Bon, allez là. Dernier drift, bien comme il faut. Oui, Mac, c'est ça. Et ton score, à qui ça va? On est encore loin de l'arrivée. Et l'artiste poursuit sa route. Après tout, j'ai le droit de viser les sommets. Ça, c'est ta rose, c'est ça. On a complètement raté, là. Je sais pas pourquoi je regarde encore. T'as déjà explosé mon record. Parce que tu peux juste pas t'en empêcher. F8. C'est de l'histoire ancienne, Aki. Épreuve réussie. Wouh! Vive le nouveau roi du drift, bébé. Sans problème, en plus.
Mars Bomb l'est vaincu. Oh putain. Celle-là, ça va être pour. Le 111 Carrera. Ah bon? T'as réussi, Mac. Je reconnais que t'as bien mérité ma couronne. Entraîne-toi encore, Aki. Et peut-être qu'un jour, tu battras mon score. Rejoins donc Noise Bomb. Tu visiterais le pays en continuant ton art. Ce serait génial, mon pote. Mais tu sais, j'ai déjà un crew. Je comprends. Je sais pourquoi tu te bats. Noise Bomb sera là en cas de besoin. Ici, Mac. Espèce d'enfoiré! Tu collectionnes les abonnés! H-Tigro! C'est H-Tiger! Et comment t'as fait pour avoir plus d'abonnés que moi? C'est le cas? Je vais m'entraîner jour et nuit, Mac. Et un jour, je te battrai enfin! J'ai trop envie de te voir essayer, H-Tigro! Ok, bon, bah, on va continuer l'émission. Alors là, on va aller voir. Voilà, voilà, concession mission. On va prendre une nouvelle caisse. Ah, je prendrai la BMW pour. Là, je prends la Porsche. Prends des missions. Et je vais à l'atelier tuning pour la tuner encore plus. Et ensuite, on va faire notre première mission. Mes très chers pilotes, ici, la voix de la rue. Une dépêche qui vient de la rue. Noise Bomb n'était en fait qu'un pétard mouillé. Après avoir éliminé le roi du drift en personne, ce sacré Max se rapproche encore davantage de l'Outlaw's Rush. Qui pourra l'arrêter? Et d'abord, qui osera essayer? Cher Mac, aujourd'hui, la rue est avec toi. T'es trop fort. Vous entendez ça? La gardienne a dit trop fort. Ah, comme si t'avais besoin qu'on te flatte. Je vais imprimer des t-shirts. Ouais, ça me va. Du moment que j'ai pas à les porter. Si, il faut le porter! Comme tout mon crew! Ah, je préfère celui-là, désolé. Ellie? Ah non, super. Donc là, c'est bon. C'est pas déjà en face. Ok. Voilà, bon. La première mission. Cette mission, pour ceux d'être des filles, ça sera bien. Ça changera un coup. Thank you.
Ah désolé, mais moi je suis pas en rade. Hein. Dans ce jeu, il y en a qui n'arrêtent pas de s'engueuler, c'est trop marrant. Recommandé 201, moi c'est la voiture elle est à 261, c'est à fond. Ouais. Miller, j'ai une mission pour toi. Pas tant que tu m'auras pas donné quelque chose d'utile. Je cherche le boss du clan, le percepteur. Il importe un appareil du même genre que celui de la Koenigsegg. Je t'écoute. Tu es sur la liste de Navarro. C'est ta chance de bosser sous couverture et de trouver ce que tu recherches. Un conseil, ouvre l'œil. Et ferme la bouche. Félicitations. Toi, ferme ta gueule, là. Oh. Tu bosses pour le clan, maintenant. Attends. Vous avez vu, c'est la même voiture que j'avais avec. Merde. Alors, c'est toi le chauffeur du jour ? Mm-hmm. Navarro dit que t'es pas bavarde. Voilà tout le blé et l'itinéraire. Et pas l'idée de t'enfuir avec le fric. Je te suis par GPS. Eh ben, la confiance règne. Ouais, là, pour friser ta mère, ça va bien. Maintenant que t'en parles, je tuerais pour un burger, là. Avec les gars. J'ai filé un gros paquet de blé à une sorte de décano. Sûrement le meilleur préparateur clandestin de Silverbrook. Les pièces qu'ils proposent apparaissent dans le commerce plusieurs années plus tard. Quel que soit l'appareil qu'ils importent, les pilotes du clan l'auront bientôt. Les dons pour l'orphelinat du Sud-Soudan sont ici, monsieur. Tu manques pas d'air, toi. C'est quoi ton nom ? Mes parents ont oublié de m'en donner. Jusqu'ici, ça va.
Marco Vassilev. Dignitaire de haut rang le jour, pilote de rue la nuit. Pourquoi un officiel étranger se ferait graisser la patte par le clan? Il dirige Diamond Bluff, une ligue de course de drague. C'était des sous de table pour quitter les courses. C'est ça que tu cherches? Vassilev est à la flamme. Je cherche son boss. Je cherche une tête. Ça bug pas mal là, putain. Ça recommence. Je viens casser la patte d'un connard plein aux as. C'est toi? Où est le fric, petite? Eh, je suis pas ta petite. Faut la ramener, Jess. Mais qui était donc ce charmant monsieur? Tu as rencontré Holtzman. C'est un entrepreneur sur le chantier de la tour du Percepteur. Il dirige aussi Hazard Company, une ligue de course tout-terrain. Charmant. Au moins maintenant, tu connais les adversaires de ton crew. Pas de regrets? Oh que non! C'est ce que je voulais entendre. Quand des flics? Bonjour, sergent Bradley. Fais pas trop la maline. Où est l'argent pour les douaniers? Tenez, des donuts offerts par le clan. Ah, des donuts. Des donuts. C'est bon, on aura largement le temps, là. Je fais toujours le job. Morgan? C'est Jess. J'ai du neuf sur le clan. Leur fameux appareil. Il doit d'abord passer les douanes. Donc, il arrivera sûrement par les airs. Comment tu sais? J'ai arrosé un flic. Ok. Non, tu l'as pas arrosé, tu l'as juste questionné. C'est une sale mytho, elle. Allez, c'est juste là, merde. Elle tarde un peu trop la voiture. Belle caisse. T'as cette voiture là, wow. Tu parles? Un peu de reconnaissance, ce serait cool. Toi, fous-moi le camp. Et voilà le dernier. Wow, ça c'est bien. Puis de carte à gauche. Ben voilà. Et tu fais remarquer des bonnes personnes, Lady. J'ai d'autres missions si ça t'intéresse. Une évasion, par exemple. Ça me tente bien. T'as assez bien dit. Je t'envoie la position. Évasion de Silver Canyon. Allez, on le fait, après on se quitte pour aujourd'hui. Sauf qu'on va faire un petit voyage rapide. Ce sera ma dernière mission pour aujourd'hui. Raison.
Ça va faire du bien. Pour les 15 comme ça, échappez-vous. Donc... Ouais, non, on n'arrivera pas. Adam 13, on poursuit un 4-11 potentiel. Adam 13, vous allez dans quelle direction? On part à l'ouest, par le casino Silver. Attention, moi de là! Jimmy! Eh ben ça alors, quelle agréable surprise! Le clan a juste dit qu'il voulait causer, je te le jure! Alors tu bosses pour le clan maintenant, espèce de traître! Pas toi? C'est toi la complice! Ah ouais, c'est vrai. Alors, part, on se casse de là. Adam 13, dans quelle direction vous roulez? Vers l'ouest, sur le pont Santa Culpa. Reçu. Quoi? C'est votre maximum? Santa Culpa. Ah, mais arrête de bugger le jeu. Oh, 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 ils se sont fait mal, j'ai mon gueule. On va trop dur. Adam 13, position du suspect demandée. Vers l'est par Silver Canyon. Bien reçu, vers l'est par Silver Canyon. T'es obligé de faire ça? Oui! Mais parce que c'est là, elle te coupe le sacré, maintenant, parce que c'est mon gueule. Adam 13, dans quelle direction vous roulez? Vers l'ouest, à partir de Canyon. Tu bosses pour le clan, maintenant? Ils ont pas essayé de te faire arrêter? C'était un test, j'ai réussi, j'ai pris du galon. Eh, tu devrais plutôt me dire merci. Insiste pas trop, Jimmy. Ouais, un de moins. Mission frontale avec les suspects, centrale. Adam 6, notre moteur a lâché. Demandez pas d'eux. Reçu. Ça part à l'ouest, dans le tunnel de Kersnor. Ok, reçu. Oh là 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 là. Ça c'est que celle-ci comme mission, je ne sais rien. À 35, on n'est plus au contact de la poursuite. Les voitures vont plus vite que moi, c'est un film. Officier à terre! La police de l'autoroute nous donne. Hé! On se calme! Adam 13, notre voiture est morte. Remplacez-vous comme une cité de tête. Adam 6, on dirige les OP. Oh, toutes les voitures qui se sont. Centrale, il est prêt de neutraliser. Oh, mais juste ça, toutes les voitures que j'ai. Adam 13, voiture HS, on s'arrête là. Il faut qu'elle. Ça lui apprendra. À toutes les unités, l'unité de tête a quitté la poursuite. Qui a pris le relais, s'il vous plaît? Adam 35, on prend le commandement. A1, 6 accident, voiture hors d'usage, on quitte la poursuite. Reçu. Il y a d'ambiance ici, hein. Adam 13, position du suspect demandé. Wow! Tu l'as bien eu! Carrément trop facile. Tu Adam 13. Il y en a encore à la voie. Centrale, notre voiture est très endommagée. On peut pas continuer. Ok, bien reçu. On est. T'en veux encore? Mais qu'est-ce qu'ils sont courts ces voitures? Ça va se payer ça! Central, on vient de percuter les suspects! Attends, le grand camion! Miller, t'en as eu un? Je sais! Vers l'ouest,
Ils ont quoi le fait du droit. Notre véhicule a pris cher là. On laisse notre place en pôle. Adam 35, on est sur le suspect, on passe en pôle. Bien reçu. Vers le sud, par le tunnel de Desert Plains. Adam, notre voiture n'en peut plus. On laisse notre place. Adam, derrière le suspect, on prend la tête. Reçu. Ben voilà. Ciao les nazes. Par contre, ma voiture toute neuve, elle en a pris un coup du coup. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Ah, je on dois... On est passé, je te dépose. Merci, merci, Miller. Ah ouais, c'est la dernière mission. Jimmy. C'est bien la dernière fois qu'on fait ça. Ouais, je comprends. Si tu rappelles, je décrocherai pas. Même si t'es en train de crever et que tu me demandes de dire à ta femme que tu l'aimes. Mais je suis pas marié, moi. On est bon. C'est fait. Qu'est-ce que tu foutais dans ce casino? Pourquoi tu me demandes ça? Je te débriefe, Jimmy. Oh. Le casino résiste au clan. Donc on m'envoie pour faire baisser leur valeur marchande. Voler du cash, déclencher des alarmes, effrayer les clients. Ça peut les décider à accepter une OPA hostile. Ben voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Moi, c'était nickel, n'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Miller, tu le sais ça? C'est vrai, une pro de chez les pros. Hey Jimmy, va pas chercher les ennuis. T'as du talent la miss. Pour nous t'es prête pour les grosses ligues. Il faudrait que tu joues les chauffeurs pour une personnalité. T'auras qu'à tendre l'oreille et nous répéter ce qu'il dit. Ça te va? Me voilà chauffeur Hubbard. Je t'envoie le point de prise en charge.